Eh bien salut les doudous et bienvenue sur le Wolfie Game Party dans Recette, Resident Evil 7, ça y est il est de retour avec deux DLC les doudous, deux que j'attends impatiemment, ça fait 10 mois tu te rends compte, le jeu est sorti fin janvier 2017, là on est vers, enfin mi-décembre, j'allais dire mi-décembre, mais oui carrément on est carrément mi-décembre, ça me paraît, tu sais, on est déjà mi-décembre, bah oui Wolfie on est mi-décembre, bah dis donc, oui ça passe vite les doudous, et les voilà enfin. Après des mois et des mois d'attente. Regardez comme il est beau. Pas un héros. Et la fin de Zoé. Les deux DLC. Alors approximativement j'ai cru m'apercevoir que ces DLC duraient entre 1h30 et 2h. Je crois que la fin de Zoé ça doit durer un peu plus longtemps. Je crois qu'ils avaient, ils s'étaient partis sur 2h30, 3h. Et on voit déjà sur YouTube les mecs, le truc était déjà pas sorti, qu'ils avaient déjà fini les deux DLC en 20 minutes. Enfin moi je comprends pas les gens qui jouent comme ça et en plus qui proposent ces choses-là aux doudous quoi, aux viewers machin. Si tu viens regarder un truc, c'est pour déjà pour l'animateur je pense, pour moi je sais que beaucoup viennent sur le Wolfie Game Party pour entendre les conneries du Wolfie et voir Wolfie jouer un jeu vidéo. Là des mecs qui... Parce que, à minuit hein, j'ai été regardé, hein, j'ai été le télécharger moi à minuit une, hein, le bordel, tellement ça fait longtemps que je l'attends, t'as vu. Et voilà, les mecs ils te proposent le jeu à minuit une, ils avaient déjà fait voilà, les deux DLC bouclés en 20 minutes en free run, je sais pas quoi, le speedrun machin. Ouais, d'accord, mais pff, ouais, enfin aucun intérêt. Donc là, nous, c'est pour vous dire qu'on va faire ça sérieusement, tranquilloum, en l'espace, je sais pas, d'une semaine, 15 jours quoi. Enfin, je verrai, ça dépend. Celui-là dure pas trop longtemps, effectivement, en 2-3 vidéos, ça va être bouclé. Et puis la fin de Zoé. Alors, ce que je vais faire moi sur le Wolfie Game Party, je vais vous proposer en fait du simultané, c'est à dire on va faire une vidéo pas un héros, une vidéo la fin de Zoé, une vidéo pas un héros, une vidéo la fin de Zoé, parce que sinon j'ai peur que ça devienne un peu casse-couille et lassant. Voilà, et puis que bah, vous ayez déjà tous vu sur YouTube, parce que ça va venir là, il est sorti aujourd'hui, enfin ils sont sortis aujourd'hui, j'ai peur que d'ici que j'attaque la fin de Zoé, là, le deuxième DLC, vous veniez pas me voir parce que vous aurez déjà vu tout le monde le faire sur... parce que Skyros va le faire, Couille Bleue va le faire, enfin ils savent, tous les gros youtubeurs savent que même s'ils ont horreur de ces jeux-là, machin, ils savent que voilà, ça suscite l'engouement et que les gens l'attendent impatiemment et du coup ils vont faire des vues dessus et du pognon et du machin. C'est sûr, les doudous. Donc bref, on va attaquer tout de suite avec donc le premier épisode de Pas un héros. Alors c'est pas du Balavoine, hein, rien à voir, c'est du Mikami les doudous. Hein. Attention, hein, Resident Evil, attention. Hein. Fucking compagnie. C'est prêt? On peut commencer? J'en peux plus d'attendre. On a du boulot. Ah, ce serait pas notre ami Luca? Ah, parce que finalement, c'est le seul qui était resté vivant. Hein. Eh oui. Alors ça c'est la fin avec l'équipe de Chris Redfield qui vient sauver Ethan Winters, mais bon un peu tard. Négatif, voilà. Ethan Winters est en sécurité. Il va bien malgré ce qui s'est passé. Et Lucas Baker, pour l'instant c'est notre seul lien avec les Connections. C'est le prochain sur ma liste. Ha! Oui, il est pas content. Donc on a un petit let's play là avec avec le Chris Redfield. Qu'on va incarner tout au long de ce DLC qui s'appelle Not a Hero, hein. En français pas un héros, t'as vu, t'as compris. Bon lui il est équipé, hein. C'est pas, à mon avis ça va pas être le même délire qu'avec Ethan. Lui à mon avis il a l'armement adéquat. Bien, je suis dans la mine. Le signal est stable, je te reçois 5 sur 5 Chris. On n'a pas obtenu grand chose de la première unité avant de perdre contact. Mais apparemment, Lucas a fait de cette mine son repère. Combien d'hommes manquent à l'appel? 3 de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. Oh! Alors, les touches, c'est toujours les mêmes. Ok. Ça, c'est pour courir. Je crois qu'on tire avec... non, c'est L2, R2. Ok.
Des bombinettes? Non, c'est pas des bombinettes. Bon, d'accord. Par contre, avec le casque, ça fait... Y a pas une petite lumière là, à allumer là, ou connerie, parce que... Alors là, on a notre inventaire. Ici, les doudous. D'accord. Ça, un remède en action rapide qui permet de remettre de la vie. Faut que je me remette hein, dans les touches et tout ça, parce que du coup... Je le fais vraiment là, c'est avec vous. Hein, je le découvre avec vous, mes doudous. Hein. Je vous dis, je l'ai téléchargé cette nuit, là. On est le matin. Et voilà. Oh, c'est bon, ça. Donc ça, c'est bon. Ça, ça fait rien du tout. Ça non plus. Et ça non plus. Ok. Ça, c'est pour se protéger. Et ça, ça fait rien du tout. Ok, les doudous. Alors. Je sais plus si on avait un genre de truc qui nous dit où aller ou quoi. Genre une carte, toi. Bah si, doudou. Alors. Appréhender Lucor, retrouver les trois soldats. Position actuelle, légende. Ok, j'ai compris. Ah, ça fait plaisir de, se remettre dans ce petit recette là. Ça faisait vraiment longtemps. Sachant que moi j'avais tellement kiffé que je l'avais fumé. Bon, je vous avais proposé. Allez voir hein, le gameplay, hein, les doudouins. Alors eux, les Stromons, ils vont encore mourir dans 10 ans. On va prendre la mitraillette, hein, ça sera peut-être plus efficace, hein, parce que... ouais, donc j'avais déjà un let's play hein, sur Resident Evil 7, donc la base. Hein. Ah, c'est un peu pont, d'accord. Ok. Bah tu es mort maintenant. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bah rien du tout monsieur. Oh putain mais ils sont combien comme ça? Alors. Il y en a qu'on nique en pleine gueule tout de suite et d'autres non. Alors faites attention hein. Quand vous voyez qui c'est pas parce qu'ils gesticulent par terre qu'ils sont pas morts. Hein. Des fois on a tendance à leur mettre des balles tant qu'ils bougent, mais moi je sais que voilà. Des fois ils bougent machin, mais c'est des petits réflexes de Stromon, t'as vu. Ben ça c'est la mine à sel qu'on avait déjà vu dans le jeu original ça. Bah oui bien sûr. Où je m'en rappelle très bien, je m'étais paumé là-dedans. Je m'étais paumé dans le bordel. Ah. Une idée de ce que Lucas fabrique là. Alors attends, parce que là où il y avait une petite interstice. Mène des expériences avec un mutamycète de type E. Espérons que les gars ne soient pas utilisés comme cobayes. Ça serait bien. Moi j'aurais bien vu du matos ici, non? Bon, pas du tout. Il a le pas lourd, hein, notre Chris, hein. Attendez, je regarde parce que je vais encore me paumer, je me connais. Donc tout ça, on l'a fait. Faut aller par là apparemment, mais j'ai bien envie d'aller en hauteur quand même. Non, c'est pas là, c'est là. Ça a l'air d'être fermé, hein, mais on sait jamais s'il y a un petit peu de matos à ramasser, t'as vu? Histoire qu'on se ravitaille. En bon miam. En bon munition, en bon miam. En miam, non, ça va, niveau vie, je suppose que c'est la jauge de vie, là, en vert à gauche. Non. Pas de matos. Et c'est vrai que je m'en rappelle dans cette action gameplay, là, à ce niveau-là, avec Ethan Winters, en arrivant là, on se disait « Ouais, de toute façon, on va forcément tomber sur Lucas, et puis ça va être la fin du jeu, on va lui exploser la tête parce qu'il reste plus que lui, machin. » Et en fait, pas du tout, on tombe sur, vous savez, la... Bah, sur la petite fille, version grand-maman, qui nous avait bien fait flipper sa mère. Et du coup, Lucas, on l'avait un petit peu laissé... Laisser dans son délire quoi. Oh bah les doudous,
Qu'est-ce que vous faisiez là? Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi. C'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Tous les trois. Oh merde, c'est lui. Oh putain, c'est lui. Ah non. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça. Mais je te le déconseille. Mes mains pourraient glisser. Lucas, arrête. Ah le con. Oups. Oh l'abruti saucisse. T'arrêtes de me suivre et je te fais pas sauter la tête. D'accord. Ça vaut aussi pour tes petits copains soldats, hein. Ah les soldats. Ah non, mes soldats. Scheiße. Oh, Chris Redfield, il est pas allemand du tout, hein. Je dis ça, mais... Oh putain, c'est quoi cette merde? Contamination. Ouais d'accord mais... Non je veux pas ça putain. Ta bouteille d'oxygène est à 50%. Ouais mais là y'a rien à ramasser, y'a rien à faire là. Faudra une lampe, hein, une lampe torche ou quelque chose hein, quand même parce que là c'est casse-couille. Hein. Ouais je fais attention mais... Enfin je fais attention. Plus ou moins. Je sais pas du tout où je dois aller les doudous. Là on en vient. Ouais. Bah ouais mais je sais pas moi. You are dead. You are dead. On voit que dalle et on sait pas où on doit aller. Bon c'est pas grave, on va le retenter mes petits doudous. Bah bien sûr, on est là pour ça. Oui donc c'est un let's play complet hein, que je vous fais. Hein. Quand je meurs je vous le montre tout ça machin. Hein. Y'a pas de délire de hein, vous montrer que quand j'y arrive et tout ça, sinon c'est pas drôle, t'as vu. Bon alors on va se retaper là. Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi, c'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Ah bah... C'est quoi ça? Ça risque pas d'arriver. Ça risque pas d'arriver. Je ferais pas ça si j'étais toi. Il est complètement taré lui quand même. Hein. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça. Mais je te le déconseille, mes mains pourraient glisser. Lucas, arrête. Blé. Oups. Eh, la deuxième fois, ça fait toujours autant d'effet. Hein. T'arrêtes de me suivre et je te fais pas sauter la tête. Oh, d'accord. Ça vaut aussi pour tes petits copains soldats. Hein. Adios. Adios, amigos. Espèce de débilos. Alors. Donc apparemment ici il y a pas grand chose à faire. Je détecte des spores dans l'air. C'est le mutamycète de type E. Ton voilà, on va se barrer. Automatiquement en mode recycleur. Garde un œil sur ta réserve d'oxygène. Là il y a rien. Là il y a rien. Donc c'est forcément là-haut mais ah si on pouvait passer, d'accord, c'est parce que le Wolfie s'est dit est à 50%. D'accord. Merci mademoiselle. Vous êtes bien aimable. Là il y a rien. Là, il y a une teufour, on va y aller. Allez! Fais attention à ta réserve d'oxygène. Oui, madame. Attends. Ah! On dirait que tu es sorti de la zone contaminée. Effectivement. Que tu rentres pour qu'on désamorce cette bombe que tu as sur le bras. On n'a pas le temps. Que je rentre là-dedans? On ne va pas prendre de l'avance. Compris. Mais sois prudent. Quand elle dit, vaut mieux que tu rentres. C'est-à-dire que je rentre dans le bordel? Ah non, que je rentre, que je me casse quoi. Bon là, le jeu il a dit non, c'est pas par là, Wolfie. Bon d'accord. Ah non, j'ai cru voir un... un truc dégueulasse. J'ai cru voir un truc dégueulasse. Oh merde. Là, on va voir la même chose mais avec un petit stromon à affronter. Sinon c'est pas drôle, t'as vu. Je lui ai mis une patate, je voulais voir ce que ça faisait. Il est où le bouton, bordel? Non, il n'y a pas de bouton, c'est bon. Chris, on a fini l'analyse des données de Lucas qu'on avait interceptées. Ouais. C'est ce qu'on pensait. Ce salopard a envoyé des rapports sur Evie aux Connections. Trouve-le et ramène-le. On ne peut pas laisser ça se reproduire.
Tu me promets que vous voulez pas le recruter. Chris. Peut-être que le BSA est convaincu. Vous voulez pas en faire quelque chose de Starello ? Je serai pas là. Mais il faut que je digère le fait de travailler avec Umbrella. Je comprends que ce soit difficile. Et pour être honnête, bon nombre de nos membres étaient avec nous avant même que l'on devienne une société militaire privée. Mais tout ce qui reste d'Umbrella, c'est le nom. Concentrons-nous sur la mission et peut-être qu'on pourra continuer cette conversation à ton retour. Ah bah peut-être. Ouais, autour d'un petit verre quoi. T'as vu ? Ah, l'ascenseur, c'est mort. Bon, il est pas... hein. Ah oui, j'allais dire, munitions de pistolet. C'est pas mal, ça. Mais le pistolet, vu les stromons qu'on croise, je suis pas fan. Ça, le pistolet, c'est bien contre les êtres humains, machin, mais contre les gros stromons comme ça... Bon, on n'a pas une lampe incorporelle à ce putain de casque, là, parce que moi, c'est ça qui me manque dans ce jeu, là, c'est une lampe. On peut pas sauter, toujours pas. Une lampe et le fait qu'on puisse pas sauter. Voilà, c'est ça qui me dérange. C'est qu'on n'a pas de lampe et on peut pas sauter. Mais bon. Tu chipotes, what fait, tu chipotes. C'est vrai. Ok, là où il y avait rien de spécial. Moi j'aime bien fouiller, hein, vous savez, le Wolfie fouille. Hop, ah. Ça, je, ouais, j'allais dire, je reconnais ça. Ça, je reconnais la sauvegarde et tout le bordel. Bonjour. Pour l'instant, ça me dit rien qui vaille ce truc. On va regarder un petit peu notre stuff. Là où on a quoi? Grenadoum, très bien. Ah, là faut mettre des pièces. Attends, avant de mettre des pièces, stabilisez et augmentez votre vitesse de rechargement de façon permanente. Stéroïde augmente votre maximum de façon permanente. Sachant qu'un stabiliseur, j'en ai déjà un, moi, non? C'est pas ça que j'ai, là. Remède injectable. D'accord. Document. Ah bah tiens, on n'avait pas regardé ça. Eh, on n'avait pas regardé ça, les doudous. On va regarder tout de suite. Opération Peur qui rôde. Objectif principal, extraire Luca Baker. Lieu d'aversion de Louisiane, États-Unis, iranien. Type de menace, mycomorphe, variant alpha, autre piège, machin. Afin de pallier le manque de données, vous lirez les doudous. Et vous lirez les doudous. Oui, je ne suis pas un grand fan de lecture. Vous le savez maintenant. C'est tout blanc. Pour beaucoup d'entre vous, bah vous lirez, hein, vous ferez une petite pause, hein, les doudous, vous savez. Hein, quand il y aura des gros documents comme ça, parce que je connais, hein, des fois il y en a il y a au moins 8 pages. Hein, donc je vous le mettrai et puis vous ferez pause. Hein, d'accord? Parce que moi, franchement, ça me gonfle. Le lien. Alors, fais voir. Ah, mais j'en ai pas des pièces, pas du coup. Mais pas du tout. Donc peut-être dans mon. Dans mon arsenal. Vous voyez, moi j'irais bien aller voir là-haut là. Attends. Avant toute chose, j'avais vu qu'est-ce que c'est? Non, c'est vraiment un mur invisible. D'accord. Pas de possibilité de passage. Alors. Un nouvel objet a été ajouté. Pièce instinct. Ça c'est parce que j'ai le season pass. Un nouvel objet a été ajouté. Pièce universelle. Pièce universelle. Voilà. Alors, pièce instinct, on dit que ces pièces agissent sur celui qui les porte. Celle-ci a été conçue pour améliorer votre réflexe au combat. C'est ça qui est bon. Pièce universelle, ça c'est les mêmes, on va s'en mettre une, hein, pour l'instant qu'on n'a pas grand-chose. Et la pièce universelle, c'est pour sentir en meilleure forme. Eh ben écoute, une petite sauvegarde, mes petits doudous. Nouvelle sauvegarde. Créer de nouvelles données sauvegardées. Oui, monsieur. C'est ça qui est bon. Je suis pas sûr que vous la voyez la sauvegarde, mais c'est pas grave. T'as vu, je vous parle pendant ce temps-là, comme ça, c'est. Comme ça, c'est. Voilà, ça fait le taf. Ça, je sais pas, je le sens pas ce truc-là, moi. Le bout de nez du clown, là, je sais pas pourquoi. Sauvegarde, machin, là-haut. Ouais, j'ai envie de le tenter quand même parce que sinon on saura jamais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sélectionner un objet à utiliser. Dans le doute, on va prendre le couteau. Impossible d'utiliser ça ici. Le pistolet. Impossible d'utiliser ça ici. Un document. Impossible d'utiliser ça ici. Bah, ça sert à quoi alors, monsieur? Grenade, peut-être?
Pas du tout. J'essaye un peu tout, hein. Voilà, les doudous, je vois pas trop à quoi ça sert, cette merde. Bon, écoute. On va continuer, hein, notre ascension. Appareil de vision nocturne requis. J'ai ça, moi. Appareil de vision nocturne requis. Comment je fais ça? Appareil de vision nocturne requis. J'en sais rien, moi. Non, j'ai pas ça. Hein. Ouais, bon, je m'en prends l'une. Ouais, bon, c'était pas une bonne idée d'aller là-dedans. You are dead. Two time. j'ai pas compris l'appareil de vision nocturne. J'ai pas ça, moi. Alors, appareil de vision nocturne requis. Ouais, mais là, j'ai pas ça du tout, moi. Comment faire? Ah, il y a un autre truc à ouvrir là. Peut-être c'est là. On va récupérer l'appareil de vision nocturne requis. Voilà, donc là on était sur celui de gauche. En fait, à droite, on peut pas y aller tout de suite. Non, mais c'est logique, c'est logique. Si, t'as vu. Il est pas con, hein, le mec qui a laissé traîner des lampes, hein, comme ça, t'as vu. Moi, je dis que c'est intelligent et ingénieux. Allez, tourne. Ah, j'ai des gros muscles. Ouais, genre moi, en IRL, un truc comme ça qui m'arrive, j'aurais été incapable d'ouvrir ce truc, quoi. Donc ça y est, l'histoire s'arrêtait ici, voilà, pour Wolfie. Moi, avec mes bras de mouche, tu vois, à force de... Qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Sélectionner un objet. Une pièce? Non, pas du tout. Non, il faut une clé, hein. On a bien compris qu'il y a un verrou, hein. Donc à mon avis, un verrou, c'est qu'il faut une clé. T'as vu? Alors, là on est encore dans le délire. Attention, ça pue. C'est verrouillé, très bien. Ah bah merde. Bah oui, mais laissez-moi le temps, les doudous. Bon, you are dead. Three time. Ouais, en fait le jeu me disait qu'il me faudrait un filtre, en fait, pour un filtre pour augmenter la capacité de mon masque à oxygène. Mais je n'ai pas de filtre, moi. Ah. Non, pas du tout. Moi, il n'y en a pas les filtres. Ah, bah, il y a encore un passage là. On n'a pas fait. Attends, à la rigueur. J'ai pas l'impression qu'on en vienne de là, non? Je cherche, hein, les doudous. Je suis comme vous, hein. Essayez de savoir. Est-ce que tu tiens le coup? Redfield. Ouais, c'est moi. Je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici. Il faut une clé, on t'a dit. C'est pas une heure là-dessus. Parce que j'ai l'impression que, bon, le premier qu'on avait pris, t'as vu, il faut un truc de vision nocturne pour capter des bombinettes par terre ou je sais pas quoi. Le deuxième qu'on a essayé, à mon avis, il faut améliorer notre masque à gaz parce que sinon, t'as vu, on va pas bien loin. Donc je suppose que c'est par là qu'il faut aller. T'as vu, une fois que t'as tenté deux trucs qui marchent pas, bon, bah t'en essayes un troisième et puis tu verras bien, quoi. C'est comme ça que je fonctionne, hein, moi, dans les jeux, hein, t'as vu.
C'est un peu le même, c'est du Mikami, hein. C'est un peu le même principe que The Evil Within 1 et 2, hein. C'est pareil. Hein. T'essayes un truc, bon ça marche pas, tu retournes sur tes potes, t'essayes un autre truc, ça marche pas, bon bah le troisième truc en principe ça passe quoi. T'as vu, c'est comme ça quoi, c'est comme ça qu'on fait quoi. T'as vu. Oh, un camion, j'ai l'impression qu'il est petit par rapport à ma taille. Oh putain, oh putain. T'as vu la grenade, c'était quand même assez une bonne idée. Dans le fond. Ah ouais, mais vous êtes combien comme ça les doudous eh? Moi je veux bien, mais à un moment donné, voilà, laissez-moi tranquille quoi. Ah! Ça j'adore en. La patate de forain. Putain, mais ils sont combien comme ça? J'essaye le flingue mais c'est pas très. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler si tu veux l'efficacité suprême de l'amour. Bon, je préfère quand même le. Je voulais essayer hein, mais regardez, on a fait qui veut des ribs. Oh je les aime pas eux. Eux ils sautent. Eux c'est des enfoirés parce qu'ils sautent dessus. Eh bah écoutez, le Wolfie s'en est bien sorti au niveau de. Un petit peu de l'abattage de Stremont. Regardez, il y a de quoi manger là. Alors, on a un peu de tout, hein. On a des ribs, un petit peu de. Un petit peu d'ail, un petit peu de. C'est ça qui est bon. Alors. Bon, là pour le coup, c'était pas. C'était à mon avis plus pour. Ah, une pièce antique, ça va servir à déverrouiller les petites cages à oiseaux qu'on a vues tout à l'heure. Donc on est bien, c'était bien par là qu'il fallait passer mes doudous. En espérant que les autres on pourra les faire quand même. J'ai pas perdu de vie en plus. Alors ça il faut les faire au couteau, on est bien d'accord. Donc vous allez niquer vos munitions pour rien du tout. J'avais cru voir un. Ah bah non c'est bloqué, oui d'accord, il y a une porte. J'avais vu une porte métallique. Ouais on aurait pu tirer là-dedans pour les shooter les bébêtes. Ça aurait été assez intelligent. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bonjour madame. Une clé. Ah. Ah merde. Ça c'est le truc si tu veux. Toi je sais que tu vas vouloir me sauter dessus donc tu dégages. J'entends des bruits de pas mais ce sont les miens apparemment. Alors attendez. Réfléchis, réfléchis. Wolfie réfléchis. Je regarde s'il n'y a pas. Ah! La manivelle. C'est quoi ça? Grenade. Oh! Ah, ça, il faut avoir le lance-grenade, hein, t'as vu? Sinon, c'est pas très bien. Ce n'est pas très très bien. Non. Alors là, il saute. Je sais pas pourquoi. Je scrute, hein, les doudous. Hein. J'entends du bruit. Des trucs pas rassurants du tout. Une roue dentée. Je ne sais pas à quoi qu'est-ce que ça sert, mais ça peut servir. Un panneau interdiction de fumer, parce que forcément. Encore de la grenade. Donc ça veut dire qu'on va avoir une troisième vague de Stremont. Munition de pistolet. On est bien. Là il va falloir mettre la manivelle là-dedans machin tout le bordel. Ça je sais toujours pas ce que c'est cette merde. Bah où ma clé? J'avais pas une clé les zouzous? Ah bah non du coup je l'ai pas ramassé la clé. Vu qu'elle est là-haut. Eh oui Wolfie. Alors j'ai envie de mettre la roue déjà peut-être. Voilà et après la manivelle. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors évidemment, il va falloir se manier la quéquette parce que les Stremont arrivent. Je sais pas si je vais avoir le temps. En plus, ça a l'air d'être un. Tu peux me dire à quoi j'ai affaire. Oh la vache! On n'a jamais vu
remettre un peu de life là parce qu'il m'a fait mal le glu. Ah merde. Une idée, je suis preneur. Il te faut des munitions spéciales pour l'empêcher de régénérer ses tissus. Pour l'instant, mieux vaut l'éviter. Ah d'accord. Bon bah écoute. Pour l'instant, mieux vaut l'éviter. Bon. Écoute, on va faire ça. Hein. Oh merde. Ah putain, je le voyais pas si loin ce qu'on le... si près, je veux dire. Faut que je passe par là, non? Oh merde. Non. Mais fous-moi la paix, tête de con. Bon, la grenade, ça a l'air de le stunt quand même un peu. Parce que je sais pas du tout où je dois aller là. Je vous avoue. Putain, il est pas content, hein. Je vous avoue que je ne sais pas trop où je dois aller là. Bon, on va aller récupérer le doudou qui était enfermé là, je pense. Ah, l'autre, elle est gentille, elle est mieux vaut l'éviter pour l'instant. Je viens de là, moi, ou... Attends, je viens d'où? Ouais, si, je viens de là. Hein. Ah vache, il m'a fait mal, ce con-là. L'autre côté, Wolfie. L'autre, j'adore. Mieux vaut l'éviter pour l'instant. Brutti. Ça marche. Et c'est ça qui est bon. Bah écoute, on est mort trois fois, mais... Ou quatre, je sais plus. Non, trois. C'est ce qu'il veut te faire croire. Je suis juste un appât. Tu t'es fait avoir. Quoi? Ah merde. Oh putain! Et merde! Prends le filtre. Sur mon masque. Allez. Si je fais ça, tu meurs. Allez! Dépêche-toi, Chris, on s'en branle. Il est... Voilà, il est mort de toute façon. Allez, dépêche-toi! Ah, dépêche-toi! Non! Voilà, tu vois, on s'en fout, il en aura pas besoin. Allez, prends le filtre! Prends le filtre! Et voilà, bah c'est malin. Tu vois, je t'avais dit de le prendre, le putain de filtre. Ah, c'est dégueulasse. Regarde l'œil. Oh, je suis désolé. Allez, vite. Regarde, il va me faire crever juste au moment où je vais mettre le truc. Oh la vache. Filtre haute protection. Ok. Attendez, je regarde s'il n'y a pas les trucs à ramasser là-dedans. Votre filtre a été amélioré. Bah oui. J'ai bien vu, madame. Oh, c'est... On se croirait dans... comment c'est le film Le Saut. Que je connais par cœur, d'ailleurs. J'ai rematé le 1 il y a pas longtemps. Bon. Mes petits doudous. Est-ce qu'on peut se permettre de sauvegarder, là, vite fait? Et puis de se barrer. On va aller se péter une petite sauvegarde. Et puis on fera la suite dans le prochain épisode. Parce qu'il faudra aller dans la pièce, t'as vu, où il y a le... Le gaz, là. Alors je sais toujours pas à quoi ça sert les Neptunes là, vous me direz hein mes doudous, si vous savez. N'oublie pas qu'il nous le faut vivant, Chris. Ouais ouais. C'est quoi que j'entends là? Ouais, je sais toujours pas à quoi ça sert cette merde. Hein. Grenade. Non. Bon, bah écoutez. Alors. On va refaire un tour là-dedans. Ça, on va le déplacer là. Parce que moi, j'aime bien que ce soit organisé, t'as vu? Les pièces là. Tout ce qui est truc qu'on. Non, mais moi, ça, je veux le. Non, non, mais moi, ça, je veux le mettre. Attends. Ok, voilà. Je veux le mettre là, ça. Ce soir, on s'en bat les couilles. Ça, c'est bon. Grenade, on va remettre ça ici. Et voilà. Là, on est pas mal.
Donc après, donc dans le prochain épisode, hein, mes petits doudous, on ira dans cette pièce, dans la pièce, vous savez où il y a le gaz là. C'est-à-dire l'autre pièce. Là, c'était quoi déjà? Stéroïde. Ouais, non, moi je préférais celui-là, moi. Celui qui permet de recharger plus rapidement, machin. Tu vois, c'est quand même. Voilà, comme ça, il nous en manquera plus que 4. On va faire une petite sauvegarde, mes doudous, puis on va s'arrêter là. J'espère que ce premier let's play sur. Un héros, donc not a hero, de Resident Evil 7 vous aura plu, mes petits doudous. Et puis la suite, sûrement demain. Ou je vais essayer de vous en faire un tous les jours. Hein, comme ça. C'est ça qui est bon. J'ai sauvegardé là ou ça a pris ou pas? Bien sûr que ça a pris. Allez mes doudous, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé le Wolfie. Et à la prochaine pour un autre épisode sur recette. Quoi, t'as vu avec... Alors l'autre épisode, ouais, alors je sais pas si on va continuer sur celui-là ou si on va entamer. Parce que je vous dis, moi j'aimerais bien faire un Pyro, un Fanzoé, un Pyro, un Fanzoé. Tu vois, pour un petit peu alterner les gameplays. Et puis pas vous ennuyer quoi. Mais je verrai, ça dépendra. À la rigueur, dites-moi, comme ça ce sera plus simple. Allez, ciao les doudous !